Et nous nous retrouvons pour cette énième partie de Last of Us. Sachez que j'ai regardé juste avant, je suis à 91% avec à peu près 12 heures de jeu. Donc je pense que nous arrivons bientôt à terme de cette énormissime aventure. Qui franchement m'aura plu, mais vous savez, pour moi ce jeu est dans les top 3 de mes jeux favoris. Si ce n'est pas le premier. Donc, on va reprendre cette vidéo. Donc, si vous vous rappelez bien, on avait rencontré un animal à long cou et à petite oreille et à grande langue qui n'était autre qu'une girafe. Donc, on est toujours à la poursuite de cette girafe avec Ellie. Alors, c'est parti. Retrouvons Melman. Je suis désolé, je suis obligé de faire une pause parce qu'il y a l'enfoiré de merde de camion de glace qui passe, qui nous gâche ce plaisir pour les yeux et pour l'oreille. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà, le camion de glace est enfin parti, on peut enfin admirer ce magnifique paysage avec les girafes. C'est... Franchement, ça m'en met plein la vue, moi, personnellement. Magnifique. C'est vrai. C'est vraiment une aventure humaine. Une bonne vieille aventure humaine comme on en fait rarement ces jours-ci. On n'est pas obligé de faire ça. Tu le sais, pas vrai? C'est quoi notre option? Retourner chez Tommy et laisser tomber toutes ces conneries. Après tout ce qu'on a vécu. Après tout ce que j'ai fait. Je vais pas gâcher ça. Je bouge légèrement. Voilà. Je sais que tu veux faire ça. Mais je dois aller jusqu'au bout. Quand tout ça sera terminé, on ira où tu veux. Ok. Bon, je ne partirai pas sans toi. Alors finissons son avec ça. Trouver une de ces
Cet endroit me rappelle des choses. Pourquoi? C'était juste après que tout parte en vrille. J'ai atterri dans un centre de triage comme celui-ci. Et bon sang, partout où je regardais, je voyais des familles déchirées. Comme si tout ce foutu monde avait sombré dans le chaos en l'espace de quelques secondes. C'était après avoir perdu Sarah? Ouais, c'est ça. J'imagine pas ce que ça fait de perdre un être aussi cher. Je suis désolée. C'est pas grave. C'est là où il y avait la grande girafe. Oh là là. J'ai pas de mots pour décrire une telle beauté. C'est magnifique. On dirait un bon emplacement. Joël, j'ai quelque chose pour toi. Tiens. Maria me l'a montré et je l'ai volé. J'espère que tu m'en veux pas. Ah, je m'en doutais. Essayer de toutes ses forces. On peut pas échapper à son passé. Merci. Ça va, juste arrêt. Cette fois, ça va être différent. Je le sens. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils vont être là, les lucioles. J'en suis sûre.
Oh putain, les merdes. Trop. Je sais, mais on doit continuer.
de gros là, je suis dans la merde totale. Ok, tu crois que tu peux faire tomber la caisse ? C'est bon. Je pense pas qu'il puisse nous atteindre. Ok.
prendre ça. Là, allez, va te foutre. Je suis de l'autre côté. Ok, attends. Ok, reste bien sur le côté. C'est moins profond par là. Encore une porte bloquée. Allez, donne ton pied. Ok. Vas-y. Va ouvrir la porte. Merci. J'ai éclaté la cervelle à lui, je crois. Je suis à fond. J'aime bien vous améliorer ça. Ça tiendra. Gaffe à ta tête. Du coup, au final, j'ai rien amélioré, moi. Ah ouais. Mettre du surin ou la santé. Ouais. Si je suis emmerdé, je peux le déglinguer et pas perdre mon surin. Ce sera pas mal. On peut pas voir combien on a. L'hôpital de petits poissons.
Allez, je tente. C'est là où je dois aller. Ah bah ouais, certainement. Sans faire exprès, j'étais là où il fallait aller. Mais quel talent! Mais quel talent! J'y arriverai pas. Ah d'accord, c'est plus simple. Bien vu, Ellie. C'est décrocher le mur. Je vais trouver autre chose. Oui, ça doit être limite si tu touches pas le plafond là, Joël. Je sens qu'il y a un truc qui va se faire emporter, je le sens mal. C'est prévisible à mort. Ok, vas-y, saute. Tu vas me rattraper ? Je suis là. Je suis en peur de ce truc.
ce bordel. Désolé, je suis à fond dedans, mais désolé. Putain, vite. Tu perds Ellie. Elle est à la surface. Plus. J'ai dit les mains en l'air! Quel connard, mais quel connard, putain! Bienvenue chez les Lucioles. Désolé pour eux. Ils ne connaissaient pas. Et Ellie? Elle va bien. Ils l'ont réanimée. Vous avez fait tout chemin. Comment vous avez fait? C'est grâce à elle. Elle s'est battue pour arriver ici. Peut-être que c'était écrit. J'ai perdu presque tous mes hommes en venant ici. J'ai pratiquement tout perdu. Et voilà que vous débarquez et qu'on vous trouve juste à temps pour la sauver. Peut-être que c'était écrit. Je veux la voir. Tu n'as plus à t'inquiéter pour elle. On va s'occuper... Je m'inquiète. Allez, laisse-moi la voir, s'il te plaît. Tu ne peux pas. On la prépare pour l'opération. Quelle opération? Les médecins m'ont dit que le cordyceps, le parasite en elle, a apparemment muté. Elle est donc immunisée. Quand ils l'auront enlevée, alors ils pourront développer un vaccin. Un vaccin. Mais il pousse dans son cerveau. Oh non, putain. Non. Trouvez quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre. Écoute, tu vas me conduire. Arrête. Je comprends. Mais quoi que tu penses traverser en ce moment, ce n'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Je la connais depuis qu'elle est née. J'ai promis à sa mère de veiller sur elle. Alors pourquoi tu les laisses faire ça? Parce qu'il ne s'agit pas de moi, ni d'elle. Il n'y a pas d'autre solution. Continue à croire à ces conneries. Escorte-le dehors. S'il tente quoi que ce soit, tue-le. Ne gaspille pas cette chance, Joël. Désolé, je vais venir la récupérer. Je peux pas la laisser. Debout.
j'ai dit debout. Allez, avance. Avance, j'ai dit. T'as intérêt à m'obéir. De quel côté ? Qu'est-ce que tu fous ? Avance. J'ai dit avance. Où est la salle d'opération ? J'ai pas le temps de jouer à ça. Où est ? Où ? Merde. Putain, faut la sauver, vite. Putain, je suis désolé, je suis dans tous mes états, mais faut que je coupe la vidéo, sinon ça va pas le faire. Donc on se revoit à la prochaine vidéo, et moi je continue tout de suite. Ciao, ciao.